Bonjour et bienvenue dans Isaac Afterverse, où il n'existe aucun challenge qui nous résiste. Mais des fois, yeah, rock and roll, parfait. C'est pas mal. Est-ce qu'on essaye de trouver la deuxième? Non. Voilà. Je rappelle donc les règles. Enfin, les règles que je décide. Je reroll jusqu'à avoir un premier étage décent rapidement. Tout simplement parce que... Yeah, boom. Tout simplement parce que ce challenge est assez difficile. Bon, oui, pourquoi pas. On a plus de vie. Il n'y a pas de cœur qui drop, ni rouge, ni gris, ni noir. Comme ça, il n'y a pas de discrimination. Il y a... Et c'est dur. C'est vachement dur parce qu'autant les cœurs rouges, on est habitué à pas s'en servir. Autant avoir aucun cœur, c'est compliqué. Arrête de repousser mes tirs, toi. C'est pas chic. Donc voilà, il faut sur le premier étage qu'on ait soit un run extrêmement performant, pourquoi pas, soit... Ah, ça le secrète là. Soit un moyen de gagner de la vie rapidement, genre Book of Révélation, Book of autre chose, Book of Evil. Sans ça, on peut pas gagner. Enfin, je peux pas gagner. Dommage, j'ai poussé de côté. Et donc voilà. C'est pour ça que je cherche l'autre item room. La première était pas mal. Experimental Treatment nous a donné un corps rouge en plus. Alors on peut le remplir avec des choses comme la carte The Sun et tout ça. Pas le deuxième, la deuxième item room, ça. Et voilà, et donc du coup, je reroll vite parce que... Ah bah là, voilà. Parce que j'ai pas vraiment envie de passer 600 ans à faire péniblement un run. Comme ça, par exemple. Boum, 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 boum. Bon, on s'en fout. Donc j'ai pas envie de passer 600 ans sur un run pour me rendre compte en arrivant sur Womb 1 ou quelque chose comme ça. Que finalement ce sera pas le bon run. Alors oui, je pourrais laisser... c'est pas le moment de se gratter l'oreille. Je pourrais laisser leur chance à tous les runs, bien sûr, et faire 700 vidéos sur ce challenge. On va éviter, hein. Comment dire, on va éviter. Nous ne ferons pas ça. Et donc voilà, la méthode c'est... Quel item de merde. Alors bien sûr, tout cela sera peut-être en accéléré, donc vous n'entendrez pas tout ce que je raconte là. Sauf si je fais en x2. x2, on peut entendre. Glitter Bomb, c'est pas très bon. Yop le. Yop le. Yop le. Raté, raté. Yop le. Yop le. En plus, c'est un champion qui a plein de vie. Voilà. Push, push. Non. C'est vraiment un problème ce challenge parce que il y a guère que quelques items qui peuvent le rendre. Ah bah au moins on va pas s'embêter à chercher longtemps dans cet étage. Allez, meurs. Ok. Non, je veux pas avoir mal. Tears up, knockback. Admettons. HP up. C'est pas suffisant parce que le HP up, on peut le remplir que dans certaines conditions particulières. Mais bon, on va pousser jusqu'au deal with the devil, ça nous donne un cœur de plus. Yaka.
Puis on a eu un petit cheers up. C'est pas rien. C'est pas grand chose, hein. Pas rien. Pas grand chose. Avec une clé, c'est soit le coffre, soit la... avec une bombe, pardon. C'est soit le coffre, soit la clé. J'ai hésité, puis je me suis dit, ah. Avec deux bombes, par contre, la donne n'est pas la même. Clic, clic, et là, ça aurait pu être un Cricket's Head ou Guppy's Head ou n'importe quoi. Ça n'a pas été. Dommage. On va pas aller là-dedans parce que je veux voir mon Dilwiz Devil. Ce qui est loin d'être garanti déjà en l'état. Parce que j'ai pas de cœur gris. Dingle, super. En plus, c'est le modèle qui charge plus, je crois. Que c'est le modèle qui charge plusieurs fois. 4. Il charge 4 fois. Parfait. Et il fait des caca rouges. Moins parfait. Ça va être. Je crois que je suis relativement à l'abri là. Et... technique courageuse s'il en est. Allez, meurs. Et voilà. Et on gagne Range le cup. Et c'est... oh non, les monstros, ils vont se mettre d'accord pour me... voilà, hein, voilà. Ok, on est près de notre... de ce qu'on cherche. Toi, tu vas exploser tout seul. Et toi, on t'achève. Allez, on t'achève. Oh, j'ai failli faire une grosse erreur, c'est pas grave. Je n'ai... pardon. Ils sont où mes goodies là? Je me sens un peu volé là sur cette action. Bon, notre salle étant juste là, on va faire l'effort d'aller voir. Mais quand même. Là, j'ai bien fait d'aller voir. Coffre révélation, c'est un des items qui nous donne des HP. Et les items qui nous donnent des HP, on les aime. Dans ce run, en tout cas. Parce que dans les autres, non, c'est chiant. Pff, survivre, tu rigoles. Bombe ou clé, bombe ou clé. Bon, oh, bombe. Les gars, ça nous donne des HP, mais pas souvent. On a intérêt à économiser le truc et à chercher toutes les salles qui peuvent nous avantager, c'est-à-dire le magasin et les salles secrètes. Ok, ok. Il va vachement vite, lui. Et ils sont deux. Ou pas. Non, il était un. Oh. C'était très sale. Mauvais. Lancrone, Hiera. Lancrone, Hiera, Ansus. Ansus ne sert à rien. Les Blancrones, je ne sais pas ce qu'elles vont faire. Quoi qu'il en soit, je vais Hiera tout ce petit monde. J'ai donc plein de chariots. Et la première chose qui va se passer, c'est que je vais battre le premier boss.
et pas me faire toucher. Pourquoi? Parce que... Oh. Non, 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 non. Parce que... Putain. Sérieusement, on fait pas de dégâts. Cube of Meat. Forcément, c'était Cube of Meat. Parce que une de ces blank runes est peut-être pertro. Et ce serait... Pardon. Ce serait bien de l'amener sur le deuxième boss. Ce qui serait bien aussi, ce serait de rester en vie, donc... Wow! Toutes les couleurs de l'arc-en-ciel sont réunies aujourd'hui pour... crever! Enfin, Cube of Meat suffit pas. Ok, voilà, lui, j'ai bien peur que ce soit un modèle explosif. Voilà. Donc on va rester loin du noir. Oh là là, sérieusement? Combien d'années de lumière? Ça n'est pas une unité de temps, je sais. Mais quand même. Donc magasin. On a 6 centimes. C'est largement insuffisant pour acheter quelque chose. On a 7 centimes, on peut acheter ça. The Bible! Alors c'est parfait parce que. On va essayer. C'était pas du tout. Une paire trop. Mais on va essayer toutes les autres. Je serais d'avis d'en garder une pour le deal with the devil au cas où il apparaîtrait. Mais pour l'instant, si j'ai la possibilité. Ça c'est pas mal non plus, hein. C'est quoi la pilule range d'homme? C'est moins intéressant. Et ça crache des blancs prunes aussi là. C'était pas pertro ça, d'accord? Si c'était pertro. Et la batterie c'est bien. Parce que là du coup on va faire un combat. On va être chargé. J'ai dit on va faire un combat. Sérieusement? Ah mais on a tout fait en fait. On a fait tout l'étage là. Bah c'est le premier étage en même temps mais... Non quand même me dites pas ça. Bon on va se battre contre le boss. Non il me faut un... On va cramer des charges. Voilà, vous êtes content j'espère. Hop. Hop. Et hop. Et du coup on va amener ça chez le boss. On a quand même 63% de chance que... Arrête Curse of the Maze. Que ça nous amène quelque part. Dites-le en champion noir, il ne fait que des boulettes, pas de bombes. Et je commence à prendre des dégâts bêtement. Ah, il m'esquive, enfoiré. Putain, prends-toi ça. Sérieusement, je tape dedans et ça la repousse même pas. Donc ça, c'est quoi? Lash K, luck up. Ouh. Fantastique. Bien. Nous devons faire un choix. On va prendre les deux gros. Spirit of the Night, très bien. The Nail, hein. Bon alors déjà, voilà. The Nail, je serais tenté de le garder. Mais Book of Révélation a l'avantage de nous donner des cavaliers comme boss. Et ça c'est quoi? J'ai peut-être bien fait de le prendre. On va garder le clou, parce que ça nous donne un petit boost en même temps. Ça c'était Dagaz. Dagas qui n'enlève pas les curses. Génial. C'est lié au challenge. Et donc du coup, on va toutes les cramer de toute façon. On peut en amener qu'une avec nous, donc la question ne se pose même pas. Super. Allez, on amène ça avec nous. Et j'espère que ça va marcher. On a acheté la batterie au magasin. Ah, on peut pas, on a pas de sous. Demi-tour. Bon, on a 5 cœurs.
on vole, on va voir tous les deals, même si c'est pas forcément. Putain, arrête. Même si c'est pas forcément intéressant. On fait pas spécialement mal, mais on a Cube of Meat. Objet pour Mom, au moins, ce sera pas mal. Et maintenant, j'espère que ça va bien se passer. Pourquoi on a des mouches? Ah oui, on a eu plusieurs barcades. On a aussi des araignées, du coup. Et voilà, voilà où. Yeah! On a une portée de merde par contre. Le range down, on l'a senti passer. Hein. Sérieusement. On peut pas rester trop longtemps devant eux parce que c'est des bonnies. Ça complique un peu. Voilà. Encore deux. Et voilà, là je sens que celui-là il est faisable. C'est sûr que si on ne progresse pas en termes de dégâts ou d'efficacité d'une façon ou d'une autre, ça sera pas faisable. Mais là, on a une base qui a le mérite d'exister. Ah, je voulais prendre la bombe, elle était dans l'autre salle. Peu qu'importe. Ok, toi. Cube of Meat, c'est un peu dangereux, mais... C'est pas un cube... Curse of Maze normal, hein. Vous venez pas me dire que c'est le mode normal, ça, c'est boosté, ça. Oh non, 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 j'ai besoin de ma vie. En plus, je me prends le dégât sur le champion. Il y a le machin qui fait le double de dégâts, quoi. Nope. Voilà. Donc, 4, reroll les piédestaux de l'étage. Sauf le deal. C'est intéressant si on tombe sur des items actifs dans les item rooms. Sinon, ça sert à rien. Mais... on tombera sûrement sur des items actifs dans les item rooms. Oui, je vole. La petite frayeur qu'on se fait comme ça, des fois. Alors par contre, ouais, je vais utiliser à chaque fois le clou. Je vais pas chercher à avoir une salle avec des cailloux ou des trucs pour optimiser. Là, c'est la vie qu'il nous faut. C'est tout. C'est la vie qu'il nous faut. Top. Il y avait plein de cœurs gris là-dedans. Ou rouges. Ou noirs. Ils se sont malheureusement volatilisés au moment où on a passé la porte. On ne bouge plus. Voilà. Ça a de fortes chances d'être Poison Touch. Et je ne veux pas de Poison Touch, donc je vais le laisser là. On se souvient qu'on a cet item à reroll. Au moins. Je ne me souviens plus où il est exactement, mais il est là. Ah, là, j'ai déjà été sur un cul-de-sac. Non, c'est pas du tout un cul-de-sac. Ah, si, c'est un cul-de-sac. Faut que je me fasse un plan dans la tête. Vas-y, après, juste quand je dis faut que je me fasse un plan, t'as Curse of the Maze qui me balance dans une salle quelque part. Et je ne sais pas où. Ok, ça c'est cool. Oui, je veux ouvrir les coffres avant de le tuer en fait, le machin. Ok, non. Cube of Meat a décidé que non. Ah, ça me dérange pas. C'était pas un coffre transcendant de toute façon. Oula, oulala, oulala, oulala. J'aime pas eux parce qu'ils ont des tirs hachement aléatoires. Donc on les garde loin, 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 loin. Toi, tu dois pas être loin d'être mort. Toi, fou. La vie, elle est précieuse là dans ce run. Hein. Oh là là. Ouh là là. Ah oui, elle est précieuse. On peut taunt les chauves-souris dans les flammes. Ah, c'est intéressant ça. Je pensais qu'elle les esquiverait, mais non, pas du tout. Putain, ma Blanc Rune, si ça se trouve, elle est géniale. Et j'en sais rien. Chou-chou! Chou-chou! C'est le petit train qui avance doucement. Sérieusement, regardez-moi ça! C'est quoi ce pâté, quoi?
ça les a même pas tués. Ah, le friendly fire de l'amour, quoi. Bon, ils sont pas sensibles aux explosions, ceux-là. Ceci expliquant peut-être cela. Faut faire gaffe aux champignons, par contre. Ah, le train a perdu un wagon depuis un petit moment, là. Voilà. Ouh. Alors, qu'avons-nous, là? Oh, mon Dieu. Je supporte pas guillotine. Je voulais pas appuyer sur le... Je sais pas où est mon corps. Ah, guillotine. Alors, avantage, ma tête est en orbital. Comme Cube of Meat. Il fait mal d'ailleurs, cet orbital là. Inconvénient, je sais pas où est le corps, donc c'est un peu à l'impro là. Fouf. Donc on a pour l'instant que thème du mini boss reroll. Voilà, démerdez-vous. Voilà. Un peu moins. C'est impossible de viser avec ça pour moi. Et encore heureux que c'est pas le genre d'ennemi qui nous charge, parce que là ce serait vraiment le chaos dans la salle. Il faut absolument que je trouve un machin qui me... Un truc qui me rende le run beaucoup plus puissant. Ah, mes dents. Je peux aussi commencer à utiliser ma tête. Littéralement. C'est... Ok. On ne sait donc plus où on est. Encore. Ah ben on est là. Restons zen. Non mais j'ai... M'en fous, je vais tout droit maintenant. Vous savez quoi? Je vais juste le reroll maintenant, ce truc, parce que... Il me rend fou, cet étage. Donc là, voilà. Hop. Et là, si Curse of the Maze ne me balance pas à l'autre bout de la planète... Quelles étaient les chances? Quelles étaient les chances que je trouve un Bob's Brain, item le plus pourri de l'univers dans cette situation? En fait, le seul moment où c'est bien, c'est quand on est... Soit quand on est bon, donc la question ne se pose pas. Soit quand on est immunisé, la question se pose. Ah oui, au fait. N'oublions pas cela. Bon, ben allez, hein. Full house. Putain, si je pouvais trouver juste le boss rapidement, là ça fait trop longtemps que je suis dans cet étage. Je suis en train de faire de la boule. Attaque, touche. Touche, quand j'ai dit touche, je voulais dire toucher. Yes. Oh. Alors, on a Bob Zolo. On a suffisamment de vie pour prendre un deal, s'il y en a un. Ça c'est un... Non! 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 Oui! Non! J'ai trouvé l'autre item room. C'est bien. Et là, nous avons... Ouais, c'est pas mal. Ah non! C'est bon, c'est en dessous. Voilà. Ouh! Hop là! Gurglings! On va passer 6 ans sur ce... Boss Brain qui synergise avec les Butt Bombs. Oh, c'est bon, ça. Ça va être dangereux si... Dès qu'il... À chaque fois qu'il réapparaîtra. Parce que je me le prendrai peut-être. Mais s'il y a une synergie entre ces deux-là... C'est déjà bon. Les Butt Bombs, pour rappel, ça fait un... des dégâts dans toute la zone, dans toute la salle, et c'est cool. Speed, range up, ou faut s'habituer à la nouvelle vitesse là quand même. Et plus de la même chose.
c'est tant que tu me tires pas dessus, toi, tu ne présentes pas de menace. Je crois que t'as pas bien entendu ce que je viens de te dire. Il était où mon corps? Oh, c'est injuste. Bien ça. En plus, pas grand. Oh, c'est pas un deal, bien. Pourquoi j'ai pris ça? Oh, je savais pas ce que c'était. Cool. Quoi qu'il en soit, on se débrouille, on fait toujours pas mal. Maintenant, on va se faire mal, vu ce que je viens de choper. Curse of the Tower. La tour des miracles. Ok. Alors, c'était super risqué d'utiliser ma tête. En même temps, faut bien faire quelque chose à un moment. Et on a une charge de notre clou. Nope. Oh, Bob's Brain, pourquoi t'as raté? Deux fois. Touche! Salope! Si, ça l'a tué, mais il y a des. Ça fait des ZAD. Les boils, c'est mon ennemi favori. Ils font pas de dégâts au contact. Il m'en faut peu. Hein. Bob's Brain, je suis invulnérable, je suis sur le vide, tu ne me toucheras pas. Non! Ah, j'ai reculé pourtant. Je pensais vraiment que j'aurais le temps de la. D'attaquer. De m'éloigner. Nope. Sécurité avant tout. Voilà. Je viens de faire cette erreur. Je vais pas la refaire. Je préfère ma blank card. On the off chance it is perfo. Ah, évidemment. Ouloulou. C'est pas grave. C'est un sacrifice nécessaire. Oh, olé. Je te connais pas les gars quand vous êtes là, hein. Oh non. Oh, le pire item du jeu. Dans ma situation, on pouvait pas faire pire. C'est déjà impossible de viser avec guillotine. Et maintenant j'ai les yeux qui chient. Et Bob's Brain qui part en diagonale aussi, bien sûr. Ça par contre c'est cool. Il faut savoir que guillotine a un gros avantage. C'est que ça permet de briser le... Super. Le cap maximum de cadence de tir. Ouais, ça m'a amené dans l'autre salle. Ok. Déjà, la cadence de tir maximum c'est 5 normalement. Et avec guillotine on peut tomber je crois à 1. Donc c'est pas mal. Et apparemment je me suis trompé, Bob's Brain va tout droit, ce qui est étonnamment agréable. J'aurais pas cru que j'irais ça un jour. la Cursed Room, non, à moins que. Hey. Parfait, on se sent. Oh non, pas ça. Pas lui. Pas lui avec cette foutue whiz là. Parfait. Alors Justice, c'est cool. Oh, pas de cœur, je suis surpris. Full health, ça n'a aucun intérêt. Ça, c'est cool. Yes. C'est le run de la prudence, hein, vous noterez. À partir du moment où j'ai une chance d'y arriver, même si là c'est fait jeter par la fenêtre la chance. Donne-moi ça. J'avoue, la cadence de tir à 4 ça fait plaisir, mais on fait quand même que pas grand chose. 4,43, c'est toujours trop peu. Yeah. 5,47 avec le clou. Ça reste vachement peu quand même.
Eh, on est presque full life, les gars. Qui aurait cru ça dans le challenge ultra hard? Bah, n'importe qui, vu qu'on a chopé un item qui donne de la vie au départ. C'était pas une vraie question. Je crois pas avoir eu la deuxième item room. Oh non, Bob's Brain! Pourquoi tu fais ça? Ah, ma faute. Ah, donc je disais, je ne crois pas avoir eu la deuxième item room. Mais je me trompe peut-être. Et oui, parce qu'on a eu Skinnyod, Mushroom et le chapeau. Elles étaient en face l'une de l'autre pratiquement. Oh là là. On va aller directement voir le boss du coup. Non. Tchoup, 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 tchoup. On va faire une salle de plus quand même. Celle-là, je dirais. Bon bah tant pis. Ah, oh bon sang. Ça va être compliqué là. On va abuser de notre super pouvoir de la tête. Oh là 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 là. Ouh là là. Les Sister Vis, même quand il n'y en a qu'une des deux. Ok. Vous noterez que je ne prête pas du tout attention à Loki 2. Parce qu'il y a un moment, il faut avoir un sens des priorités. Attaque Bob Brain. Voilà, Loki 2 maintenant. Enfin, ce qu'il en reste. Ah non, mais avec le chapeau de magicien, c'est le cauchemar là. Hein. Je sais pas si vous imaginez le bordel. Yes. HP up, luck up, mom. Bob's Brain, pourquoi t'es pas parti? Oui, je sais que j'ai le clou, mais j'ai peur d'avoir un Krampus là par contre. Et Krampus, c'est vraiment le machin qui peut te faire 4 ou 5 dégâts d'affilée, si ça l'amuse. Ah, je suis con, j'ai deux orbitaux, j'attaque pas le pied quand il tombe. Faut quand même le faire. Dont un qui est super puissant, c'est ma tête. Voilà, on va y arriver. Presque. Saleté. T'apprends à me toucher à la fin. Hein. Alors, ça, c'est cool. Ça, c'est pas Krampus. Donc je me donne de la vie parce que j'ai envie. On peut prendre les deux. Donc Missing Page 2, c'est cool. Et... oui. Je dis oui. Dites oui au succubus. Ah ouais, non, mais dites oui. Trop bon. Bon, c'est pas le be all and all, mais... avec ça, on peut arriver à battre Hit Lives. L'objectif, c'est... pas Hit Lives. C'est méga Satan. Mais bon, il faut bien commencer quelque part. Hein. Et là, pourquoi j'ai... en plus de ce qui... du run, j'ai la curse où j'y vois rien. Je peux savoir pourquoi il se prend pas de dégâts, lui. Ah si, en fait. C'est juste que ça se voyait pas. Le Polaroid. Oh là là. Merci. Le Bob's Brain. Putain, je tape tellement mal. Il est tellement mal foutu qu'il se disloque. Quoi. On va laisser. Attaque, Bob's Brain. Voilà. On va laisser Succubus s'occuper des ZAD. Il n'y en a plus, mais bon, depuis un petit moment, mais bon, on va pas prendre ça maintenant. Là, on peut se permettre d'optimiser les batteries, parce qu'on a quand même pas mal de vie, normalement. Ok. Je vole en même temps.
Boum. Et. Voilà donc. Puff. Là, je dois pas être loin du max. J'en sais rien précisément parce que. Ben, le jeu me le dit pas. Mais a priori, je dois pas en être loin. Donc, c'est cool. Je vais pas l'utiliser celui-là. L'avantage, c'est que j'ai la je peux avoir une double charge. Donc, Je peux être stratégique. Même pas mal. Oh non! Il m'a rebondi dessus! Ah, ça m'a fait mal aux oreilles tellement c'était. Ou alors c'est le casque. Bon, là clairement j'ai perdu un point de vie. Donc, quoi qu'il en soit, on va faire ça. Et on est venu là pour rien. Il n'y a plus d'item room, hein. Là on cherche vraiment que le boss. Parfait. Apparemment on a fait une boucle. Une belle boucle. Ok, dans cette... Enfin, vous voyez les petits points verts? C'est les ennemis qui se tépaient dans toute la salle pour trouver un spawn. Ça veut dire qu'il y en a un, au moins un, qui peut me tomber dessus comme ça. Et en plus, j'ai l'impression qu'il est explosif. Fort heureusement, on a Succubus qui devrait nous aider. C'est une T. Ah, sérieux, les larmes sont passées autour. Bob's Brain est passé autour. M'en fous, je vais juste faire ça. La 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 la, je vais lui en mettre une de temps en temps. Voilà. Et on est super charge. Et voilà. Par contre là je gâche des charges du coup, donc je vais quand même. Ouais, j'étais peut-être pas encore full life en fait. Là maintenant ça en fait une de plus quoi qu'il arrive. Pardon. Alors. Boum. Ça c'est fait. Ensuite, cela c'est fait. Et toi, c'est fait. Ouh là 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 là. Ouh là là. Ouh là. Tu veux savoir ce que c'est qui m'a touché là? Il y avait rien sur mon écran. Ou alors. Vraiment un truc tout petit. Genre un ennemi tout petit. Le truc qui disparaît en boucle. Ah, insupportable. Combat. Oh, c'est un. Je vais mettre une baffe, moi. Oui. Vous savez quoi, je suis super à l'abri dans mon coin. Moi. Hop là, super à l'abri, man. Elle est encore deux. On va s'en sortir contre Delary Junior tout de même. Je serais malheureux. Merci Boss Brain. Là pour le coup. Très bon travail, aïe. Oh. Je vais garder Broken Hank. Sérieusement.
Baldwin qui est reparti sur le... J'en ai pris plein là. Plein ma face. Donc je vais garder Broken Hank. Genre même si c'est peu de chance de respawn, c'est toujours mieux que rien. Ok les gars, mourez. Non mais mourez loin. Là en plus, c'est un guillotine. C'est le cauchemar. Je porte pas guillotine. Et y'a rien ici d'intéressant. Full health, addicted. Ah, il me sort, ouais, explosif, j'avais. I poop. ouais, on va pas la continuer celle-là. Donc, ça, c'était un cul-de-sac. C'est tout un gros cul-de-sac cette zone en fait. Fantastique! On retourne au spawn qui doit être quelque part par là. Non. C'est pas le spawn, c'est encore plus inutile. On n'est pas sorti du sable. Hein. Non mais sérieux. Voilà. Et à gauche on a déjà été. Et à droite. Non, parfait. Mais qu'est-ce que tu voulais que je fasse là, dans ce genre de salle? Explique-moi le jeu, explique-moi. Merci, succubus. On est déjà venu là. Non! Non! Le run qui ne s'arrête à jamais. Donc on est à droite. Voilà. Il y a quelque chose au moins. Yeah! Alors là, j'hésite pas. Non! C'est bon. The f... Merci, Bob's Way. Merci. Bon, la bonne nouvelle, c'est Battery Time. Ça fait une demi-heure que je garde une Ansos. Je voulais voir si je pouvais avoir un petit effet IRA, mais... Non, vous savez quoi, The Tower... Merde! Pourquoi j'ai pris là? Bah ça m'évite de me battre contre Hit Lives, hein, après, moi, on a qu'à dire que c'était totalement volontaire et que j'ai pas cru que c'était un Call Space. Si ça m'a, ça m'arrange moi, hein, concrètement. De toute façon, il m'aurait sûrement refallu une demi-heure pour trouver où était Hit Lives, de toute façon. Et même, de toute façon, quelque chose, de toute façon. Construction de phrase, 10 sur 10. Rien. Et là, on attend le moment où Bob's Brain est de retour et... Oh bordel. Il y en a de tous les côtés. Ah par contre, on a... En ne faisant pas Hit Live, on a raté un deal. C'est pas très grave. Je savais pas combien j'avais de vie, je sais pas si... Rien à foutre. Alors, si je prends des dégâts, je tank. Je suis invulnérable, je mets des bombes partout. Aérofense ne sert à rien, l'over il tout. Et voilà, genre, si je prends des dégâts, je défonce tout ce qu'il y a partout. Hein. Toi là, meurs. J'aurais dû le jouer, il aurait pu me donner un piédestal. Mais faut pas prendre l'habitude de jouer les Kaibega. Parce qu'après on le fait et on est déçu. Donc je pourrais pas faire ça éternellement parce que j'ai pas la vie éternelle malheureusement. Tant que ça marche. Putain, Satan, ça va être un morceau quand même. Ouais, on va garder Magician. Magician, voilà. Voilà.
Ça a pas l'air de beaucoup impacter mes tirs, hein, magicien. La carte. Et lui, il a pas l'air de beaucoup mourir. Ok, j'ai pris un coup. J'ai repris un coup. Bonjour, ça marche. Dans ta tête. Enfin, ma tête est en toi, en fait. Alors, ce bug, je me souviens maintenant. J'ai lu ça dans les... la liste des problèmes qu'il y a dans Afterburst Plus. Quand on a utilisé le coup, Isaac ne fait plus de bruit de dégâts. Mais en fait, il n'y a rien qui change, c'est juste qu'on fait pas le bruit. Pour vous en convaincre, regardez ma vie. Quoi ? Sheol, j'ai le Polaroid ! Je suis allé dans Sheol et j'ai le Polaroid. Donc je vais pas aller dans le chest. Ou la Dark Room. Et je vais pas avoir Mega Satan. Et je vais pas avoir le trophée. Pop, 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 pop. A plus.